le chef otaku. Applaudissements. Et petit chef. Oh, mais son badass. La spatule vaincra. Si je vous dis Maxime du Clubin. C'est le plus gras. Bonjour, bonjour, vous allez bien? Applaudissements. Allez, on a des petites questions à poser. Ah ouais. Donc là, c'est très simple. Si je vous dis Captain America ou Captain Français, je vous donne une question, par exemple. Non. Est-ce qu'il a un drapeau français, Captain Français? Ben, c'est tout con. Voilà. L'explication du siècle, hein, c'était le poivre et sel pour les nuls. Alors. Attention. Il surveille la Terre que 35 heures par semaine. Super français, Captain Français. Capitaine Français, ouais. J'ai demandé une réponse précise. Capitaine Français. Voilà, bordel. Ah, elles sont dures les questions, oh putain. Bah c'est pour le niveau clubbard quoi. Plus, ouais, on est à fond dessus là, c'est chaud. C'est trop son dur. Son acolyte est en congé maladie. Il y a un piège. Il a quoi? Tu vois le piège subtil? Capitaine Français. Voilà. Putain, c'est pas compliqué. T'as le public, il est tellement motivé. Non mais applaudissez pas pour des réponses comme ça, franchement. C'est réciproque, ça marche dans les deux sens. Mais c'est des questions. Bah, c'est question questions de merde, réponse de merde, c'est un peu le concept. Ouais, voilà. Ça clash. Alors, moins un point. Il connaît une héroïne qui s'appelle Ginette Widow. C'est Captain Français, là. Attends, Ah, oh, mec, on est où, là? C'est ce que j'aime, c'est que Maxime, tu vois, il réfléchit pendant deux secondes. Ah, j'aime, il fait, attends, Ginette Widow, c'est qui joue ce rôle-là? C'est encore un vrai personnage, ça? Pour ce jeu, il y a deux, donc, nos deux équipes ont deux chefs d'équipe. Jigme, Clubbird, il est là-bas, le Clubbird, ça y est, c'est bon. Et Jigme, il est où? Je le vois pas. Il est là. Mais en fait, on va jouer à un qui est-ce géant. Et vous allez être les petites choses qu'on rabat. C'est génial. Voilà. Ah ben non. Clubbird, une question. Est-ce qu'il chose du 44? Putain, Maxime. Non, il ne chose pas du 44. Je te le pas au courant. Dernière petite question pour le chef otaku, parce qu'on me dit, t'as 6 minutes, connard, dépêche-toi. Il y a vraiment marqué connard, hein. Alors, pourquoi est-ce que, d'où t'es venue cette envie de faire partager ta passion pour les mangas? Bah en fait à la base on s'ennuyait chez nous et on s'est dit j'ai un caméscope, on va faire des vidéos. Et puis on s'est dit sur quoi on va faire, les jeux vidéo il y en a plein, les films il y en a plein, et sur les mangas il y en avait pas. Enfin si, il y en avait, mais pas, c'était pas très connu. De pas très bonne qualité, tu en veux dire? En tout cas moi j'en connaissais pas. Donc et puis donc on s'est dit bah on va faire une émission sur les mangas. Et puis du coup on a parlé de mangas et c'est bien. Bah c'était une réponse claire, hein, voilà, bah non, mais Alors je vais vous dire, bah merci de nous avoir invités déjà, c'était très sympa. C'était sympa. C'est gentil, on a rencontré plein de gens cool, comme lui. Bah, c'était très très sympa, c'était une très bonne expérience, comme nous on est un peu des petits youtubeurs, on s'attendait pas à être... Bon bah bref, merci d'être venu et à la prochaine. Ouais. Tu sers à rien. Merci à vous en tout cas. Et on finit pas avec le meilleur, mais avec le plus gras, Maxime du Clubbird. Maxime du Clubbird. Alors, le clubber 3w.leclubbird.com, mon Facebook Maxime Clubbird, mon Twitter Maxime Clubbird. Ton MST Maxime Clubbird. Adrien Clubbird. Adrien Clubbird, c'est ça. Ouais, merci à tous, hein, c'était vraiment cool, j'espère que ça vous a plu. Voilà. J'espère qu'il y en aura un deuxième. Et bravo à nos deux maîtres de cérémonie, Jidias et Cyril Michael des céréales Buster. Merci à toi en tout cas.